Alors, que signifie pour vous le voyage ? Et le voyage, pour moi, c'est une obligation, car en fait, rester confiné toujours au même endroit, c'est pas très bon, mais se confronter avec des cultures, avec d'autres cultures, et notamment des cultures non familières, apporte toujours, bouscule un peu les idées reçues, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est essentiel, en tout cas, dans toute la période de formation, puis ensuite, c'est un plaisir. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? C'est plus important que jamais, oui, car en fait, aujourd'hui, avec cette mondialisation, arriver à comprendre un peu comment fonctionne le monde, ça vous donne une ouverture d'esprit exceptionnelle. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Écoutez, j'ai voyagé toute ma vie, j'ai fait environ 300 à 350 000 km par an pendant 40 ans au service d'une grande affaire multinationale qui est L'Oréal. J'ai été obligé de me confronter à toutes ces cultures un peu particulières, hein, et ça n'a pas toujours été très très facile. Et parce qu'au fond, on a des idées reçues et les gens ne réagissent pas du tout dans certaines régions comme nous. On croit que les Américains, qui sont en majorité blancs, sont des Européens, ils sont très différents. Et même les Allemands, hein, qui sont de l'autre côté de nos frontières françaises ou suisses, eh bien, les Allemands sont très différents de nous. Bon, donc, la confrontation de culture amène quelque chose de fabuleux. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous ? Si oui, où iriez-vous et pourquoi ? Bon, partir seul, j'aime pas, j'aime bien partager avec quelqu'un, et puis on se stimule quand on est plusieurs. Mais seul, non, j'ai pas tellement. Enfin, j'ai tellement voyagé seul pendant des années que maintenant je préfère partir accompagné, c'est d'ailleurs plus agréable. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage, ben écoutez, j'ai écrit une autobiographie sur ma vie. C'est un exercice que je recommande à tout le monde, car on y prend un plaisir extrême. Hein, on peut essayer de comprendre comment on a fonctionné, ce qui n'est pas toujours évident. Hein, mon rapport avec les femmes a été difficile dans ma vie, entre ma mère et puis la personne qui est la mère de mes enfants, plus un certain nombre de compagnes. J'avais inventé un concept qui était un concept de périscope. Hein, je disais, au fond, quand vous êtes au Japon, par exemple, mais vous ne comprenez rien. Si vous avez une femme qui vous décode un peu ce qui se passe, à ce moment-là, vous finissez par comprendre un petit peu quelque chose. Donc les femmes ont un regard qui est un peu différent du nôtre. Hein, quand vous êtes avec, que ce soit une japonaise ou une afro-américaine, eh bien, vous comprenez des choses que vous ne comprenez sûrement pas tout seul. Un livre, bon, le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Ben, écoutez, il y a d'abord le Tibet, qui est un endroit extraordinaire. Hein, le Tibet, certains endroits en Inde, hein, je pense à Rishikesh, je pense à des ashrams, où l'air n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Ce sont des lieux que je recommande, même aussi certains monastères. Il y a des monastères assez extraordinaires. Je voyais dans le journal de Via, qui est en Suisse, on parlait d'une abbaye. Hein, une abbaye, je crois que c'était pas à Saint-Maurice ou je ne sais pas où. Hein, aujourd'hui, ben effectivement, dans une abbaye, il y a une atmosphère qui est un peu unique. Et ça vaut le coup de les voir. Et votre pays d'habitation était une belle destination. Mais oui, moi j'habite à Champéry. Champéry était un endroit magnifique, hein, qui est resté authentique. Peut-être il y a eu un petit manque de dynamisme, mais qui a favorisé le maintien, si vous voulez, de choses traditionnelles. Et puis il y a ces belles montagnes, les Dents du Midi, les Dents Blanches. C'est quelque chose d'unique. Il y a une énergie fabuleuse et j'adore y aller. Hein, je m'y suis très bien. Votre lieu préféré en Suisse, ben, je vais dire, c'est encore un peu Champéry, mais j'aime aussi beaucoup Zermatt, j'adore Mora, ma famille était originaire de Mora. Hein, Mora, c'est un lieu extraordinaire. Bon, il y a la vue des Alpes au-dessus de Neuchâtel, je crois que c'est une des plus belles vues du monde, je dis bien, cette chaîne des Alpes, de l'Autriche jusqu'à la France, c'est quelque chose d'unique et peut-être d'ailleurs pas suffisamment mis en valeur. Bon voyage à vous, voilà.